Bonjour à tous, cette semaine nous sommes au col du Chaussy pour vous présenter le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Direction Saint-Michel-de-Maurienne pour les championnats régionaux de bloc, une discipline de l'escalade. Sur deux jours, 450 grimpeurs ont participé au championnat régional de bloc. Une étape importante, qualificative pour les championnats de France qui auront lieu ce week-end. Une discipline en plein essor qui sera représentée au JO 2024. Les compétiteurs ont 8 blocs pour se battre. Et ces 8 blocs, c'est en fait un petit circuit qui est au ras du sol, sans corde, avec une prise de départ, une prise d'arrivée et puis quelques prises pour aller à l'arrivée sans tomber. Une discipline exigeante qui demande de nombreuses qualités. Alors très souvent est nécessaire beaucoup de force, force dans les bras, dans les doigts et puis de la souplesse, de l'équilibre aussi pour réussir à passer d'une prise à l'autre. Donc il y a l'engagement, la force, la souplesse, tout ça, ça nous permettra de détecter quels sont les meilleurs grimpeurs. Au pied des murs, on patiente, on échange quelques conseils et on essaye de trouver le meilleur moyen de réussir les circuits. Au milieu de cette agitation, on retrouve les juges, le regard fixé sur la paroi. Leur objectif, faire respecter des consignes strictes. C'est que nous, les présidents du jury, on n'est pas là pour utiliser les règlements pour punir, pour limiter. On est là pour permettre. Voilà. C'est pour cette raison-là aussi qu'on demande la participation de tous les clubs pour nous fournir des officiels, que nous aussi, les présidents du jury, on les forme, on les accompagne. Il ne peut pas y avoir de sport sans que nous avons des bénévoles aussi au niveau de l'arbitrage. L'occasion de refaire un point sur les règles. Que chaque compétiteur doit réussir dans un temps donné les 8 blocs. Et pour chaque bloc, il a la possibilité de tenter 5 fois. Une tentative consiste à respecter les prises de départ. Il y a 4 prises de départ marquées d'un scotch. Et donc il faut effectivement qu'il ait un moment de stabilité sur les 4 prises de départ. Ensuite, il s'engage dans le bloc. Il y a une prise au milieu également marquée dans un petit scotch. C'est ce qu'on appelle le zone. Okay, il faut qu'il se serre de cette prise. Comme ça, on a un score intermédiaire. Puis aller jusqu'au bout et avoir les deux mains sur la dernière prise, ce qu'on a prise de top. Et à ce moment-là, le juge lève donc la main, fait le signe OK pour qu'il a réussi ce bloc. En seulement 3 heures, les circuits doivent être réalisés par tous les grimpeurs. Un stress supplémentaire qu'il va falloir gérer. Donc ce n'est pas seulement leur effort physique, c'est également une stratégie parce qu'il faut tenter un bloc là où il n'y a pas trop de monde, parce qu'il y a forcément une attente, et ensuite aller sur un autre bloc où il y a plus ou moins d'attente. Donc c'est aussi une gestion stratégique de l'effort et du timing. Un gymnase qui offre à ses grimpeurs des circuits de qualité. Alors ici on a le profil en dalle. La dalle, c'est une surface qui est plate, qui est verticale. Et on a des circuits qui sont en dévers ou avec des angles, des gros volumes, des prises plates, on dit des gros plats, des macro-prises. On a aussi des circuits qui sont sur des mouvements dynamiques où ça demande à jeter en déséquilibre. Et donc là, ça fait des choses impressionnantes. 15 adhérents du club Maurienne Escalade participaient à cet échange, comme Benoît, qui compte bien tenter sa chance pour retourner une deuxième fois en France. Je grimpe beaucoup, mon père est guide et du coup j'ai toujours baigné dans ce milieu. Donc l'escalade, j'en fais un peu ma vie. Une belle compétition qui permet de mettre en avant le club Maurienne Escalade. Réseau Initiative Savoie organisait une soirée sur le thème de l'eau au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. Le 19 décembre dernier, le réseau Initiative Savoie se donnait rendez-vous au théâtre de Saint-Jean-de-Maurienne, l'occasion de mettre en avant l'histoire et le développement économique de la vallée avec de nombreux intervenants. Bon, René, c'était une belle soirée des 25 ans d'Initiative Savoie. Quel bilan en retirez-vous ? Effectivement, je suis assez satisfait. On a eu du monde, on a eu des très très belles interventions. Et
Ouais, je suis un président satisfait. La thématique, c'était au fil de l'eau et ça représente bien finalement ce qu'est la marine sur les quatre saisons, avec toute sa variété, toute sa richesse. Tout à fait. Au fil de l'eau, ben, l'eau, c'est l'énergie hydroélectrique, c'est la neige et finalement, ça résume bien la vallée, quoi. Et c'est une satisfaction aussi au niveau vraiment du travail opérationnel au quotidien sur les entreprises accompagnées à la création, à la reprise d'entreprise par ce comité bénévole Initiative Savoie Maurienne. Tout à fait. Alors je remercie encore une fois mon équipe parce qu'on fait, je pense, du bon boulot en toute humilité sur l'année. Ce sont que des bénévoles, ils font ça gratuitement. Et si on peut faire un minimum ou un maximum pour le tissu économique local mauriennais, finalement, notre plus grande satisfaction, elle est là. Quand on voit que les gens ont réussi, qu'il y a des entreprises qui fonctionnent, nous, on est les rois du pétrole. Les 130 bénévoles de l'association sont tous des entrepreneurs en activité ou à la retraite. En 2023, plus d'un million d'euros ont été investis dans la création et la reprise d'entreprises, un travail que vient récompenser cette soirée. Sylvie, vous avez été aussi une cheville ouvrière à la technique, à la baguette pour l'instant de cette soirée. Voilà, c'était sympa les quatre saisons. Oui, c'était très sympa. C'est quelques semaines quand même de travail. 140 personnes de présentes aujourd'hui, donc on est plutôt très très satisfait. Et puis l'ensemble des bénévoles quand même du comité Initiative Savoie en Maurienne a participé à l'organisation de cette soirée, donc c'est top. Et puis l'objectif, c'est quand même de soutenir les créateurs et les repreneurs d'entreprises et de mettre en avant l'économie mauriennaise. Je pense qu'on a atteint notre objectif. Un objectif plus que réussi au niveau départemental. Sur la Savoie, on est sur une année record, 140 dossiers à peu près, je pense, qui vont avoir reçu un avis favorable cette année. Donc c'était bien, une grosse année. L'économie mauriennaise étant en plein essor, la soirée ne pouvait que se terminer en musique. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.